Bonjour Ted, comment vas-tu? As-tu envie d'apprendre les chiffres et de jouer avec une pyramide? Super, commençons par rassembler toutes les pièces de notre pyramide alors. Un. Deux. Deux. Trois. Trois. Quatre. Quatre. Cinq. Cinq. Six. Six. Bien joué, Ted. Tu as rassemblé toutes les pièces de la pyramide et tu as appris beaucoup de chiffres. Récapitulons et construisons la pyramide. 1. 2. 3. 4. 5. 6. À bientôt, mes amis. Bonjour Ted, comment vas-tu? Ça te dirait d'aller sur les montagnes russes et d'apprendre les couleurs avec nous? Super, allons-y alors. Rouge. Orange. Jaune. Vert. Bleu. Thank you.
violet. Rose. Wow, nous nous sommes bien amusés aujourd'hui, Ted. Résumons ce que nous avons appris, d'accord? Rouge. Orange. Jaune. Vert. Bleu. Violet. Rose. À bientôt, les amis. Salut Ted, comment vas-tu? Aujourd'hui est un jour très spécial, Ted. C'est l'anniversaire de Dino. Et on lui organise une petite fête. Est-ce que tu voudrais choisir quelques desserts qu'on pourrait ramener à cette fête? Super, alors c'est parti. Cupcake. Des cookies. Des glaces. Des bonbons. Des sucettes. Et un gâteau d'anniversaire. Bravo Ted, on va avoir plein de bonnes choses à manger. Tu veux qu'on récapitule? Cupcake. Cookie. Glace. Bonbon. Sucette. Gâteau d'anniversaire. À bientôt les amis. Bonjour les amis. On a une grosse journée qui nous attend aujourd'hui. Tout le monde est prêt? Ed la tractopelle, Charlie la grue et toi Billy le bulldozer. Tu es prêt? Aujourd'hui, nous allons construire une maison. Très bien, alors c'est parti. Pour commencer, on rassemble les éléments.
On dirait que la base est prête. Mais de quelle forme a-t-on besoin pour faire les murs? Avec quoi peut-on les construire? Avec le cercle? Non. Avec la pyramide? Non plus. Avec le rectangle? Oui, c'est parfait. Allons les ramener au chantier. C'est parti! Le travail est bien plus facile quand on est à deux. Attention, Billy, cette pièce est très grande. Il ne faut pas la renverser. Bien joué, Ed! Regardez! Voilà Charlie! Et il ramène encore plus de formes. Je me demande à quoi vont bien pouvoir servir ces formes. Ed et Charlie font une fenêtre. Ça ressemble enfin à une maison. Mais il manque encore quelque chose, n'est-ce pas, Billy? Oui, on a besoin d'une porte pour le garage. Allons en trouver une. Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser? La porte rouge? Non. La porte verte? Non plus. La porte bleue? Parfait. Charlie fait un super travail avec le mur de devant. Mais on a besoin de quelque chose d'autre. Des fenêtres. Billy a trouvé des fenêtres parfaites. Et regardez, elles s'accordent parfaitement avec la porte du garage. Les deux sont bleues. Maintenant, on pose le toit. On dirait qu'il manque quelque chose. On a besoin de plus de fenêtres. Mais maintenant, on a besoin d'une forme différente. Le carré? Non. Le rectangle? Non plus. Le cercle? Oui, parfait! Charlie et Ed ont bientôt fini. Bien joué, les amis! C'est fini! Quelle jolie maison! Qu'est-ce que c'est, Ed? Oui, beaucoup de formes se ressemblent. Les murs. La fenêtre de devant. Et les parties du toit sont des rectangles. C'est ça, Billy. La porte du garage est un carré. Et les coins aussi. Et tu as raison, Charlie. Les fenêtres de devant sont des cercles. Bien joué, les amis. Merci pour votre aide. À bientôt. Bonjour Dino. Comment vas-tu aujourd'hui? Oh,
Ces boîtes bloquent les rails. Tu dois les enlever. Et nous allons apprendre les couleurs en même temps. Rouge. Super, Dino. C'était impressionnant. Bleu. Noir et blanc. D'autres couleurs. Joli. Maintenant, tu sais que les boîtes ne contiennent pas que des confettis. Rose. Eh bien, tu as beaucoup de chance, Dino. Ça a l'air délicieux. Orange. La boîte n'a pas bougé, Dino. Elle doit être assez lourde. Essaie encore. Waouh ! C'est assez magique, Dino. Jaune. Waouh ! Ça a l'air amusant. Attention, Dino. Eh bien, toutes les boîtes ont été dégagées de la voie maintenant. Merci, Dino. À bientôt. Bonjour Ted, comment vas-tu? Ted, ça te dirait de partir en mission? Des morceaux de voitures de police sont éparpillés sur la carte. Il faut qu'on les retrouve. Tu viens nous aider? Super, alors c'est parti! C'est très bien Ted, tu as trouvé les roues. Nous devons trouver d'autres pièces maintenant. Bien joué, Ted. Tu as trouvé la carrosserie. Un volant. C'est super, Ted. Tu penses qu'on a besoin d'autre chose pour construire notre voiture? Assemblons donc notre voiture de police. La carrosserie, puis les roues et le volant. Il nous manque quelque chose, non? Que penses-tu d'un gyrophare? Allons le chercher.
Bien joué, Ted. Voilà notre voiture de police construite. À bientôt, les amis.